Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mime au métier avec deux nouveaux mimes, Ninon et Ernestine. On commence tout de suite avec le mime de Ninon. Un réveilleur. Oui, mais c'est un génie. Oui, c'est ça. Avant que le réveil existe, il y avait un métier, c'était réveilleur. Donc même si le réveil matin, il remonte moins que le 16e siècle, les réveilleurs, ils travaillaient encore au 19e siècle. Ce métier, il consistait à réveiller les marchands, les porteurs, les acheteurs de la halle. Il n'était payé que 10 centimes par personne et par nuit, alors même qu'il parcourait les rues toutes les nuits et matins. Il n'y avait pas besoin d'études, forcément. Cependant, il fallait être résistant à la fatigue et être patient. Hein. Pas facile de réveiller quelqu'un de si bon matin. Je pense que les parents sont au courant. Hein. Et les réveilleurs devaient même parfois attendre 15 minutes avant de recevoir une réponse. Et ils se faisaient même insulter. Je comprends. Il fallait donc prendre sur soi. Et les réveilleurs, ils pouvaient jeter des cailloux, crier, mais en évitant de réveiller les voisins. Donc c'était pas très très facile. Hein. Prof. Écrivain. Peintre. Non. Ah, je suis maquilleuse. Oui. Le métier de maquilleur est aussi très souvent associé à coiffeur, perruquier ou plasticien. Des domaines très proches qui permettent d'enrichir le métier et varier les plaisirs. Une maquilleuse occupe un poste important au cinéma, dans un défilé de mode ou tout simplement dans un institut de beauté. La maquilleuse prend soin de son apparence du fait qu'elle doit prendre soin de celle des autres. Le métier de maquilleuse est fait pour une personne minutieuse, créative, patiente et soignée. Ce métier est un métier de contact. Avoir un bon relationnel aide donc beaucoup à se faire apprécier de ses clients et ainsi les fidéliser. La formation. Vous pouvez tout d'abord passer un CAP esthétique cosmétique parfumerie ou passer un bac pro esthétique cosmétique parfumerie. Après le bac, il est recommandé de poursuivre une formation afin de se perfectionner. Vous pouvez avoir un bac plus 2 en passant un BTS esthétique cosmétique. Le salaire d'une maquilleuse dépend de ses compétences, de son lieu d'affectation et de l'importance du salon ou de l'institut pour lequel elle travaille. En moyenne, une maquilleuse gagne 2363 euros de revenus nets par mois. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire ding ding avec la cloche et à laisser un commentaire sympatoche. Voilà, sympatoche. Salut. Salut, bye.